Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes. Ce sera une courte vidéo pour vous dire que comme quoi il y a eu des changements encore une fois sur la guilde. Donc normalement ça change rien aux farms que je vous ai données. On va se dire que c'est plutôt du plus et clairement du plus non négligeable et vous allez voir pourquoi. Tous les persos qui sont en gate 1, voire gate 2, sont obtenables ici. Vous allez voir, juste en bas. Voilà, donc du coup, vous voyez que du coup, Hermit Yoda, Wampa, tout le monde est là. Donc franchement, c'est plutôt cool. Ça aide énormément. Je vais vous montrer aussi que comme quoi en fait le farm du coup est beaucoup réduit. Avant on prenait 5 à 6 mois pour monter n'importe quel perso. Enfin 5 mois à peu près pour monter Gas ou Malak de 5 à 7. Et à peu près 6 mois, entre 6 et 7 mois pour monter Yoda Hermit ou Wampa. Et là on va prendre 1 mois et demi. Pour monter que ce soit Gas, Malak, Oda ou Wampa. Donc franchement ça va être cool, je vous montre ça vite fait. Hop, voilà. Donc là vous voyez, donc Hermit Yoda qui demandait 89 100 Gate 1, maintenant demandera 82 500 MK2, donc c'est les jetons de raid numéro 2, si vous voulez un peu plus savoir. Et du coup, en gros, ça nous prenait donc 6,3 mois pour faire Hermit Yoda. Juste avec les MK2, ça nous prendra 1,7 mois. Sachant qu'on avait 14 050 Gate 1 par mois. Et les MK2, on en a 48 500. Donc franchement, ça va se faire ultra vite. Voilà, c'était juste pour vous annoncer que comme quoi, maintenant, les persos, là, vous pouvez les farm ultra rapidement. Le Wampa va sortir très vite, Yoda Hermit aussi. Donc franchement, c'est très, 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 très cool. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si jamais vous ne l'avez pas remarqué, voilà. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.